Alors, nous sommes de nouveau au fond du puits de la Siofra. Alors, nous sommes de nouveau au point de téléportation, au site de téléportation. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je réexplique. Donc, vous partez du bois des fidèles, vous partez ici. Ici, il y a une colonne avec deux minotaures dessus. Vous grimpez sur la colonne et ici, au point 3, vous avez un téléporteur. Le téléporteur va vous mener ici. Bon, je refais pas le chemin parce que sinon, je vais devoir retuer tous les ennemis. Vous allez trouver un muguet fantomatique 4 ici et un autre objet sous une cascade ici. On va aller voir l'objet en question pour voir ce que c'est. Donc, je vais vous montrer le chemin. Donc, ici, c'est là où vous arrivez par téléportation. Alors, le muguet fantomatique, c'est par ici. Il va falloir descendre. Il y a une rampe pour descendre. Donc ne vous laissez pas tomber. Enfin, vous pouvez toujours essayer, hein, mais si c'est pas trop, pas de problème. Mais voilà, moi je l'ai fait via la rampe ici. On descend. On va là-bas au bout. Et il y a un muguet fantomatique 4. Bon, je l'ai déjà cueilli, hein, mais pour voir ce que c'était. Pour faire la vidéo. Hein, donc voilà. Donc il est ici, là, ici. Voilà, là. Alors on va remonter. On va aller à droite. Sous la cascade, il y a un objet. Ici. On longe. Ici. On continue à longer. Et là-bas. Tombez pas dans le trou. Voilà, ici, là-bas. Il y a un objet. Voilà. Je l'ai marqué. On va voir ce que c'est. Le sceau sacrifié de Marika. Voilà. Ça, c'est le sceau sacrifié de Marika. Et cette vidéo va s'arrêter ici. Merci et à bientôt.